Le coup de pelle est au centimètre près. Une méthode atypique pour ce conducteur d'engin. C'est pas vraiment un chantier habituel, non. C'est assez spécial. Il faut être minutieux, il faut être patient aussi, il faut... Mais bon, c'est un côté intéressant, c'est bien. Car dans son godet, des gravats, mais aussi des trésors, vieux de 2000 ans. Alors tout ça, c'est des fragments d'amphores qui ont été découverts juste au fond de la tranchée et qui proviennent de niveaux de crue de l'époque romaine. Et donc ces amphores, elles ont été apportées par ces crues. Elles sont importantes parce qu'elles vont nous permettre de savoir quand est-ce que ces crues ont eu lieu. En creusant pour installer de nouveaux tuyaux, ouvriers et archéologues ont retrouvé une partie de l'ancienne voie romaine et là où se trouvait autrefois la sortie de la ville, les restes de sépultures datant de la même époque, avec notamment des objets laissés aux défunts pour les accompagner dans l'au-delà. Et découverte exceptionnelle, les restes d'un mausolée de 15 mètres de haut, accompagné de plaques de marbre. Ce sont ce type de plaques en marbre avec des inscriptions dessus qui indiquent le nom du personnage qui est enterré et puis sa fonction. Et l'une des inscriptions qu'on a découvert mentionne une flaminique de la ville de Narbonne, donc une prêtresse qui fait partie de l'élite urbaine et qui a été enterrée sur l'endroit à l'emprise des travaux. Après étude, les vestiges les plus intéressants seront exposés au musée du patrimoine romain de Narbonne, à seulement quelques mètres du lieu de leur découverte.